fait une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? On nous dit c'est complet, c'est plein, on ne sait déjà pas que faire. Des sans-papiers, des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres. C'est facile de tendre la main, où s'arrêtera la surenchère? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Pas de quoi, dit-on, en faire un foin, hurler à la chasse aux sorcières. Qui n'a pas son lot de pépins, de tracas et de vents contraires? Chacun chez soi, c'est plus serein, faut se méfier du chien qui erre. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Paraît d'ailleurs que les bohémiens, c'est dans leur gêne le goût de l'air. Que leur liberté, ça ne vaut rien que le prix d'un vol en charter. Il y a des lois, c'est bien le moins, même sur une terre hospitalière. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Bien sûr, tout le monde convient qu'il y a de pires gangsters. Que ces ramassis, ces vauriens, voleurs de poules, de pommes de terre. Pour les plumés, eux, pas moyen, ils n'ont pas de compte bancaire. Est-ce pour ça que c'est plus humain de les reconduire aux frontières? C'est une ritournelle, un refrain qu'on nous sert comme une prière. Sincère et presque bon chrétien, en tirant vers soi la soupière. On ne peut pas, comprenez bien, accueillir toute la misère. Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières? Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?